Au procès des assassins présumés du préfet Erignac, plusieurs accusés se sont rétractés et ont tenté jeudi d'innocenter le tueur présumé Ivan Colonna. Des déclarations qui ont conduit la veuve du préfet, Madame Dominique Erignac, à s'exprimer pour la première fois depuis le début du procès. Sur place, Dominique Verdaillan et Mathieu Birben. Les accusés eux-mêmes rendent hommage à la dignité de Dominique Erignac. Chaque jour, le face-à-face est tendu, mais respectueux. Ce matin, quatre des accusés ont mis hors de cause Ivan Colonna. Pour eux, il n'est pas l'assassin du préfet. J'ai du mal à les croire. Comment est-ce qu'on peut avouer d'une manière si précise et puis tout d'un coup se rétracter? Je ne comprends pas. Il se rétracte de devant des... un acte collectif. Tout ça me paraît bien facile. Ce sont des hommes qui ont... sont pas des enfants. Ce sont des hommes qui ont 40 ans et qui ont décidé de faire quelque chose. Vous allez jusqu'à dire qu'il manque de courage? Oui. Les Corses revendiquent beaucoup être des hommes d'honneur. Et je pense que là... je trouve qu'il manque d'honneur et de panache. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il est préfet et qu'il représente quelque chose. La vie est quelque chose de plus important. On ne peut pas faire ça. Je les ai beaucoup regardés dans les yeux. D'ailleurs, ils ont baissé les yeux. Mais maintenant, je n'ai pas envie de les regarder. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Non. Eux, ils n'ont qu'à se défendre, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire. Non, moi je n'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous attendez de la suite? Ce procès va encore durer 3 semaines. Oui. En ce moment, j'avoue que je suis un peu désespérée. J'aimerais bien que le procès avance et que l'on trouve peut-être une réponse.